sur la figure 6 contre les angles YOX', celui-ci, et XEZ', celui-ci, XEZ'. Est-ce qu'ils sont alternes internes? Justifie. Bien sûr qu'ils sont alternes internes. Regardez les deux droites. YY', ZZ', coupé par la séquence XX'. À l'intérieur, entre ces deux droites, ça, à l'intérieur interne, interne, à l'intérieur de ces deux droites, comme vous constatez, les angles sont des deux côtés, alternes d'un côté, alternes de l'autre. Ça alterne. Alterne, interne, alterne, interne. Sur la figure 6 contre, nomme deux paires d'angles alternes internes et quatre paires d'angles correspondants. Ah, beaucoup de paires alternes internes. Alors, on va penser de droite XX' et HL. XX' et HL. Je prends cette séquence et je trouve tout de suite deux angles alternes internes. Entre XX' et HL, des deux côtés de la séquence TL. Bien sûr, les angles alternes ne sont pas forcément égaux. Voilà, une paire, une autre paire, XX' HL avec HT. Voilà, ici, encore deux angles alternes. Donc, deux paires d'angles alternes, quatre paires d'angles correspondants. Oh, ben, ça fait beaucoup, hein? Allez, on y va. L'angle 1. Et l'angle 2 correspondant, l'angle 3 et l'angle 4 correspondant, encore une paire. Pour cela, on pourra prolonger, bien sûr, l'angle 5 et l'angle 6. On prolonge. Allez, voilà, vous l'avez trouvé. L'angle 7 et 8. 7 et 8. Correspondant, toujours les deux droites en cause, sont XX' et HL. Par contre, les séquences, parfois c'est TH, parfois c'est TL. Et voilà, on a trouvé pas mal de paires d'angles alternes internes et d'angles correspondants.